L'homme de Dieu, le prophète Joël Crasso, le responsable du ministère de la compassion des âmes, le maréchal de la brigade anti-sorcier, le guide spirituel de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Je suis là juste dans mon cabinet. Nous avons eu une réunion technique aujourd'hui, ce vendredi, pour s'améliorer un peu dans le service. Parce qu'il faut dire que nous sommes en fin d'année, pratiquement en fin d'année. Il faudrait vraiment toucher beaucoup de choses à la fois, surtout en matière de communication, les humaines. Nous sommes en train de réfléchir à beaucoup de choses, les erreurs passées, les erreurs, et puis s'améliorer un peu partout, dans tous les services. Donc nous sommes en train de mettre une organisation en place pour vous servir. Donc shalom à nos amis internautes, shalom à tous ceux qui suivent cette chaîne. Nous allons encore nous améliorer, nos images seront encore de qualité, grâce au Seigneur, grâce à votre contribution. Parce que souvent les gens se plaignent à cause de la qualité, mais heureusement que dans ces temps-ci, nous avons une bonne qualité par rapport à ceux qui nous aident, mais nous avons encore besoin encore des caméras professionnelles, parce que nous avons envie de faire des directs. Et l'année prochaine, pour ceux qui sont aux États-Unis, nos cultes seront en anglais. Nos images seront commentées en anglais. Voilà, il y a tout ce que nous sommes en train de voir, nous allons commenter les choses en anglais. Surtout. Mais en même temps, j'annonce aussi un grand événement. C'est que le 30e, il y aura un grand concert ici. Il faut dire que le 1er janvier, c'est mon anniversaire. Dieu m'a fait la grâce de naître janvier à 16h. Pendant que mes parents ont fini de manger et tout ça, moi je suis venu à 16h. C'est pour ça qu'il m'appelle Dioro. Je suis Dioro, ça veut dire chance. Ceux du Maroc, voilà, j'annonce encore le programme du Maroc. C'est le 14, nous serons au Maroc. Je viens, nous serons trois personnes arrivées sur le Maroc. Déjà, merci pour ceux qui m'ont appelé de Marrakech. Il y a une jeune fille qui est venue pour faire sa délivrance. Elle m'a déjà appelé de Marrakech pour avoir une idée. Elle m'a appelé de Rabat pour voir est-ce que c'était vraiment suivi ici. C'est confirmé. Le vol est déjà réservé. Nous avons déjà réservé le vol. Nous allons décoller ici à partir du 14. Nous serons à Casa. Nous allons loger à Casa Voyageurs. À l'hôtel Ibis de Casa Voyageurs, et c'est à partir de là que nous allons avoir des rencontres pour partir sur Rabat et Marrakech. Voilà, donc nous allons avoir un peu beaucoup de programmes un peu dans le Maroc. Donc, pour ceux qui sont déjà prêts, vous pouvez nous contacter pour que nous puissions déjà vous mettre en contact avec ceux qui sont déjà sur le terrain. C'est vrai que vous êtes un grand nombre au niveau du Maroc. Appelez-moi déjà mon numéro personnel 06 03 31 11. 06 03 31 11, pour que je puisse souvent vous mettre en contact avec ceux qui sont à Rabat et ceux qui sont déjà à Marrakech. Voilà, donc il n'y a pas de problème, c'est confirmé le 14, nous décollons. Et en même temps, je dis merci à tous ceux de Paris, merci au frère Michel qui la dernière fois a trouvé la salle où a eu lieu cette histoire de rencontre, la réunion pour les pratiques de ma venue sur Paris. Et merci aussi au pasteur Kouassi, merci à Elisabeth Dobé, je crois à Luz Ouaga et tous ceux qui s'occupent un peu de mon arrivée. Merci aussi à Francisca, elle m'a même confirmé la femme de Clément, ma fille, qu'elle était à cette rencontre. Et merci aussi à Augustin, voilà. Augustin aussi, merci pour ce qui fait beaucoup de choses pour nous aussi au niveau de Paris et puis au niveau d'ici. Voilà, donc c'est confirmé, hein, y a pas de problème, nous sommes en train de nous organiser. Mais en même temps, je pense que les gens veulent que nous venions avec 3 ou 5 personnes. Mais je pense que 5 nous arrange. Il faudrait que nous venions avec 5 personnes au maximum. Donc le budget, je pense que c'est 60 000 euros. Donc je vous encourage à vraiment participer à des rencontres de ma venue sur Paris. Ça serait plus intéressant de participer parce que tous ceux qui vont participer depuis l'Allemagne, nous allons vous recevoir quand je serai sur Paris. Parce que je vais en France pour un mois. J'ai décidé de faire un mois pour faire un grand travail dans tout Paris. Parce que notre souhait, ce n'est pas pour mettre une église en place. Parce que déjà, il y a quelqu'un qui me représente là-bas. Je vais dire déjà que le pasteur Kouassi, c'est avec l'église du pasteur Kouassi qui est déjà sur place là-bas. Pasteur Kouassi. Donc, c'est pour faire un travail de fond. Vous permettre de venir investir ici en Afrique. C'est tout. Voilà, c'est pour vous permettre de venir investir ici en Afrique. En même temps, tous ceux qui vont vouloir souvent contribuer par rapport à notre arrivée là-bas, seront reçus par la grâce de Dieu. Ceux de l'Allemagne, ceux de l'Italie, n'est-ce pas, tous ceux de l'Europe, les pays européens, vous pouvez déjà entrer en contact avec ceux qui préparent mon arrivée
au niveau de la France. Je crois qu'il y a une page ouverte au niveau de mon Facebook pour ceux qui aiment. Voilà, donc rentrez en contact déjà avec ces personnes, avec Pasteur Kwasi, avec Elisabeth Dobé, avec Michel. Voilà, donc Shalom, effectivement, c'est le 16, je crois, le 16. Voilà, le 16 février, mon arrivée sur Paris. Shalom et que Dieu vous bénisse.